Oh yeah. On peut bien faire un peu de bruit. Nous, on cassait les burnes jusqu'à 2 heures. Et blablabla. Franchement, c'est pas vrai? Ouais, mais je crois qu'ils sont pas là. Des quoi? Des néerlandais? Ils sont pas là. Du coup, je disais à Charlotte, comment on dit? Ferme-la, parle moins fort, s'il te plaît. En néerlandais ou je sais pas quoi. Du coup, moi, j'ai on dit... On n'a pas trouvé. Si, moi, j'ai dit, tu fais... Du coup, je faisais... Et là, plus rien. Comme quoi, le langage universel, c'est bien l'anglais. Ah, merci, ma chérie, un morceau de fromage. Un gros bout. Ah merci, t'es mignonne. Lucas, oh, yeah. Lucas, il en veut. Les vacances, c'est trop chouette. Tu peux quand même continuer à me caresser le pied, yeah. J'aimais bien. Regardez, j'ai des tongs, ça se vend dans le commerce. J'ai des tongs invisibles. Je peux tenir mon fromage. Oh non. Oh, t'es dégueu. Vas-y, enlève ça, t'es dégueu. Regarde. Ah non, j'en ai pas, t'as de la chance. Ah. Merci ma chérie. Franchement, on sent pas la différence entre dans tes pieds et le fromage. Moi, je vais peut-être les mettre dans le nez car je sens pas les pieds. You told me I'm your anchor. I told you you're my pole. Through the wind and fire, we try to hold on. We build this ship together, searching for our home. Despite the storm that hit us, we're... Salut à tous. Salut, salut. Alors, nouvelle journée, nouvelle vidéo, forcément. Et là, on vous emmène avec nous aujourd'hui faire une petite activité. Je pense que ça va être bien sympathique. Ouais. On va aller faire du vélo sur des rails. Par contre, tu étais obligé de nous lever à 5h du matin. On s'est levé, franchement, il était 8h. J'avoue. T'as vu ma tête? J'ai l'impression qu'il est 5h. J'avoue, le réveil. On a dû mettre le réveil. Et à 8h, on s'est couché. Bah, on s'est couché tard. Hein. Parce que hier, on a fait un petit loto. Bah, moi, avec les enfants. Mais ils m'ont lâché en cours de route, donc je suis restée toute seule à faire le loto. J'aime pas ces conneries-là. Bah moi non plus, je l'ai fait pour les enfants. Et au final, bah, j'ai quand même fini les parties. Hein. Et bah, j'ai pas arrêté de gagner. J'ai gagné une lanterne, une enceinte Bluetooth et puis une entrée pour aller voir un jardin exotique. Attends, j'étais trop contente. Hein, c'est la première fois de ma vie que je gagne des trucs. Donc voilà. Donc aujourd'hui, on va faire du vélo rail. À Nogaro, à côté du pas très loin du circuit de Nogaro. Et je pense que ça va être pas mal. On va vous emmener avec nous toute cette matinée. C'est un parcours de 2 heures quasiment. Et voilà, on n'en a jamais fait tous. Hein, donc on verra ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être sympa. En plus, ils annoncent 39 degrés. Ça va être génial. Cette nuit, elle a été dure. Ouais, cette nuit, ça a été dur. Je sais pas si ça a descendu en dessous des 28, je sais pas. Je sais pas. 25, je sais rien. Là, ils annoncent 39 cet après-midi. C'est pour ça qu'on avait pris ce matin. Comme ça, on s'est dit qu'il fera peut-être moins chaud. Mais là, il commence déjà à faire bien, bien chaud. Donc voilà, on vous dit à tout à l'heure. Au fait, il y a un chat qui a dormi dans la voiture. Ouais, ah, je suis dégoûtée. Gamora s'est mis à aboyer cette nuit. Et il était 3h du matin. Imaginez si c'est Charlotte qui se serait levée à 3h pour aller voir ça dans la voiture. Déjà moi, ça m'a surpris. Et du coup, Jérémy s'est levé à 3h pour dire à Gamora de se taire. Et là, je sais pas pourquoi t'étais dans la voiture. Bah parce que je me suis rappelé qu'il y avait un gars, quand je faisais mon montage, il m'a dit... Ah, faites attention, il y a un chat qui est rentré dans votre voiture. Super. Et du coup, il était posé sur mon siège et tout, tranquille, là, vas-y. T'as sur ses poils et vas-y, c'est la fête. Regarde les traces sur le pare-brise. Ouais, j'ai vu. Ah putain. Et du coup, je dis, bah vas-y, tranquille, hein, pose-toi en plus à ma place, quoi. C'est pas grave, je crois qu'il a dû sentir mon odeur, tu sais. Donc voilà. Allez, on vous embrasse, on passe la journée ensemble. On vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Ciao. Vous conseille vraiment de prendre le temps au départ de bien vous installer pour qu'après vous ayez une balade qui soit chouette. Lucie, prête? Théo, prêt? Oui. Julia, prête? Si t'es pas sage, siège bébé. Tu vas être sage?
Lucas, prêt? Lucas, il veut déjà sortir. Maman, prête? Et moi, je suis prêt aussi. C'est parti pour un tour de Vélorail. En route. Eh, hey, c'est excellent, hein? C'est trop drôle. Eh, hey, ça va, ça prend de la vitesse, hein, c'est dingue. Et maman et Théo, ça va derrière? Vous voyez les petits passages et niveaux qui sont un peu moins sécurisants, ben on a le personnel du Vélorail qui s'occupe de nous assister pour que ce soit vraiment bien sûr. Et puis quand on peut les faire tout seul, on les fait tout seul. Et ça c'est trop génial. Voilà, allez hop, on y retourne. Il y a environ 6-7 passages à niveau à faire. Et le parcours fait 6 km. Voilà. Donc c'est à Nogaro. C'est vraiment balade champêtre au milieu des rails. Franchement c'est sympa. Les vélos ils roulent super bien. Tout est graissé. Les freins ils couinent pas, enfin moi je suis assez maniaque là-dessus, j'aime pas avoir un truc qui grince et tout. On voit bien que c'est entretenu et c'est fait pour que ce soit vraiment un plaisir en fait. Et ça c'est chouette. Allez hop, nous on continue notre petite balade. You'll never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. I'm never gonna let the day begin. Never gonna let the day begin. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in. Oh, don't me up before you go, and I'll just make this bed my home. Oh darling, please just let me sleep. Give me my dreams. Ça, toutes les gouttes de sueur. Je vous ai mis un petit plan drone
Et en fait, avec le drone, j'ai suivi les rails, mais de l'autre côté. Après, on l'a perdu là-bas avec Charlotte. Elle a tout remonté à pied avec les rails, les vélo-rails. Et là, j'étais en train de courir, il restait 2% de batterie. Après, j'avais plus d'image et j'ai réussi à le repérer. Il est là, bah, il est tombé. Hein. Il n'y a plus de batterie. Lui, il a atterri à l'endroit le plus proche où on a atterri, en fait. Oh là là, bah, même s'il y a un truc de cassé, mais j'arrive à voir et tout. Regardez. Cassé ou pas? Je sais pas. Ah, viens là, pépère. Alors, attention, la caméra, ouais. Je suis trop loin. Alors, pourquoi t'es parti du mauvais côté? Ah, il y a les hélices qui sont cassées. Les hélices qui sont cassées? Bon, bah alors voilà, petite hélice de cassée ici, ben, je serai obligé de les changer. Hein. Celle-là aussi, elle est cassée là. Hop. Ça, oh là là, si c'est que ça, ça va. Hein. La caméra, elle fonctionne, regarde. Non, tu pourras pas voir. Mais la caméra, elle fonctionnait. J'ai réussi à repérer la cabane qui était derrière, en fait. Et c'est ça qui m'a indiqué. Par contre, je sais pas si on peut le faire sonner. Parce que là, je galérais, moi. Je courais comme un âne dans tous les sens pour le retrouver. Mais je le trouvais pas. Et je pense qu'il y a un truc pour le faire sonner. Mais là, je le sais pas. Du coup, je vais faire attention. Allez, on y retourne. Plus peur que de mal. Oh, je me repose un peu. C'est Lucie qui pédale. Je suis HS. J'ai couru 600 mètres comme un fou sur les rails pour pas perdre le signal du drone. Et ça va, on a réussi à récupérer. Là, franchement, j'ai eu vraiment chaud, j'ai eu très peur. Et c'est que ça coûte un petit peu de sous, donc là, ça fait flipper. Donc voilà, ça, c'est les problèmes du drone. Et sur le Mavic Pro, c'est tout en anglais. Donc bah voilà, c'est pas évident. Ça, c'est un gros défaut du Mavic, de DJI. Allez, j'essaie de me remettre là, de récupérer un peu, et on y retourne. Regardez Théo qui fait demi-tour avec les wagons, il voulait voir comment on fait, bah voilà, la dame elle lui a dit vas-y tu peux faire. C'est cool. Allez mon petit gars, je viens de faire 12 km en vélo rail. On dirait un pro des chemins de fer. Tellement il faisait chaud. Là, franchement. Toi, t'as du mal à reprendre ton souffle. Là, j'ai du mal, vraiment. Il faut dire que quand j'ai perdu le drone, Charlotte, elle a repoussé avec Théo et Lucie les deux wagons en marche arrière sur un kilomètre pour venir me rechercher parce que moi, je me suis mis à courir un kilomètre plus loin pour aller retrouver le drone. Donc, ça nous a. On était super bien. Ça nous a épuisé. Un truc de fou. Oh là là. Là, je suis morte. J'ai jamais autant sué de toute ma vie. Mais c'était vraiment chouette. Ça, franchement, c'est vraiment un truc à faire. Bon, quand il fait 40 degrés,
c'est pas trop conseillé. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment chouette. Franchement, ça vaut le coup. Ça va, il y avait pas mal de passages. Ombragés. C'est une balade semi-ombragée qu'ils appellent. Et franchement, vraiment top quoi. Alors les enfants, ça a été? Ah ouais, moi je suis trop fatiguée, j'arrête pas de bailler. Ah, pour une fois qu'on arrive à l'user, t'es. Ah, c'est clair, c'est bon, on les a usés. Merci à l'Office du Tourisme de Nogaro pour nous avoir joué le jeu et avoir fait ce partenariat avec nous. C'était vraiment chouette et bah voilà, on conseille vraiment cette activité. Il y en a un peu partout, hein, du vélo rail, il n'y en a pas que ici, mais voilà. Si vous venez dans le coin, n'hésitez pas à venir en faire. On mettra le lien de leur mail et tout ça de l'Office du Tourisme de Nogaro. Donc voilà. Allez, gros bisous à tous. Allez, nous on va manger parce que là du coup, ça creuse. C'est clair. Allez, ciao, bisous. On s'est fait une petite bouffe là avec les Mitae. Et Théo, il est en train de regarder comment ils font pour déballer la tente. Autant vous dire que là, il est au taquet. Alors Théo, ça faisait longtemps que tu voulais voir ça? Théo, c'est ce qu'il veut plus tard. C'est ça que tu veux, Théo, plus tard? Ouais, voilà, c'est une tente qui est bien adaptée pour les petits voyages. Pour la belle saison, quoi, ouais. Ouais, voilà, en fait, c'est... Même les gens, ils peuvent partir, parce que moi, j'ai déjà fait des modifs, on a fait l'hiver, on a fait des trucs, mais... Ouais, vous l'avez pas mal amélioré, quoi. Il faut des trucs en plus, notamment des tapis anti-condensation, rajouter encore des trucs. Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est avec tout, il y a toujours des modifs à faire, de toute façon. Ouais, il n'y a rien de parfait, en fait, hein. Et ça, c'est une tente combien de personnes? C'est une 5 places. 5 places, 5 couchages? Si tu veux, c'est la... Soit 4 adultes, soit. Non, c'est. Qu'est-ce que... C'est 4 adultes ou 3... 2 adultes, 3 enfants. Ouais. Après, pourquoi on a pris celle-là? Parce que c'est la plus grande du marché. Parce que nous, les enfants, les deux grands, ils étaient pas prêts. Ils étaient pas prêts pour dormir seuls dans une deuxième tente au milieu de nulle part en Grèce. Ouais, d'accord. C'était trop pour eux. Donc quand on vit comme ça, quand on est sur la route avec un 4x4, on dort en haut et on fait tout à manger, tout en bas, avec tous les rangements, quoi, c'est ça? En fait, c'est comme une tente. En fait, c'est juste la chambre là-haut, quoi, c'est ça? C'est la chambre, mais il faut imaginer, nous, c'était quand même nouveau, comme on est quand même parti en hiver. Ah ouais? Quand il pleut, quand il fait froid, passer une journée dans la tente, c'est long. Ouais, vous avez un peu morflé quand même. Ah ouais, oui. Après, ici, là, tu vois, on va pas la monter là, mais en fait, ici, on a comme un auvent de caravane. Ah, tu peux tout descendre. Là, tu fais tout le truc ici, donc on a comme une annexe qui fait que. Mais c'est long à monter, donc c'est quand tu restes posé. C'est quand tu restes, ici, ouais, d'accord. Qui va flotter, tu vois. Bah après, nous, on a fait des moins 6 et. Vous avez fait des moins 6 avec? Ah oui, eh, c'est spacieux, hein. Ah, c'est vachement long. Il y a 2m40 par 2m20, elle est énorme. Ah ouais, c'est clair. On se rend pas compte que le 4x4 il est gros. Hein. Eh, la hauteur et tout, c'est bien, hein. Ah oui, par contre, on est assis dedans, on peut monter, il y a des moustiquaires partout. Bah, je pense qu'il vaut mieux être en été parce que là, tu dors dedans, tu meurs. Ben en fait, la chaleur, je pense que nous, on est quand même contents là. Enfin, on est contents, je pense qu'on était arrivé au bout, donc je suis pas sûr. Tu sais, quand tu passes à un nouveau projet, après. Ouais, donc là, vous l'emportez pas au Canada celui-là? Ah non. C'est fini, nouvelle aventure, nouveau véhicule. Tu vas rouler en V8 maintenant, essence. Pick-up. Ils appellent ça les camions là-bas. Ah ouais, les camions. Ça va être autre chose, on suivra ça, hein, ah oui. Sur Instagram. Oh yes, pardon. Bon alors, c'était chouette les vacances? Oui. Maintenant il va falloir. Maintenant il va falloir faire la route. Ouais. Ça va être le plus dur. Vous passez par le passage? Allez, c'est parti. Allez. Alors, c'était comment? C'était génial. Le voyage, il s'est passé comment? C'était vite? Super rapide. Est-ce que vous n'êtes pas habillé pareil? Bah attends, on s'est changé, hein, entre temps. Ah ouais? Mais il est quelle heure là? On fait le voyage comme ça, on change comme ça. Il est 19h44. Bah en fait, on a essayé de faire un voyage dans le temps et vous avez mis autant de temps qu'en voiture. C'est ça. Oh mince. Bon, bah on fera mieux la prochaine fois. Top, c'était un test. Allez, ciao. 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 Bye bye à tous. I said, baby, oh.
dire.